ワンピース海賊無双3ってな。C'est qui cette voix? Je crois que c'est Sanji, mais je suis pas sûr. C'est pas évident à savoir. Bref, hola les muchachos, si c'est Nubio. Et aujourd'hui, on se trouve pour un nouvel épisode du Let's Play du One Piece Pirate Warrior 3. Toujours en bon français comme on est. Et aujourd'hui, donc, au lieu du mode légende que nous faisons habituellement, où on devrait faire, où j'aurais dû faire un petit résumé de 3 arcs narratifs de One Piece, et que j'ai pas eu le temps cette semaine. Du coup, au lieu de faire ça, nous allons faire le mode rêve. Le mode rêve, c'est un mode alternatif où on combat des gens sur des îles. Enfin, vous allez voir. Et nous, on va prendre Ivankov. Voilà. Ah oui, aussi, ça va spoiler. Voilà, ça va spoiler sa race. Je vais peut-être vous le dire avant. Voilà. Je pense que ça sera dit dans le titre, hein, ça va spoiler un peu à mort, hein, parce que les personnages, je ne contrôle pas qui on va voir, du coup, et ben, spoiler. Oh, j'adore ce mouvement de hanche de Ivankov. Oh, c'est beau. Donc, voici le mode rêve, nous sommes donc, oh, comment il marche aussi. Oh, c'est beau. Oh, quelle grâce, quelle distinction, quelle, oh, c'est beau. Bref, nous sommes donc sur le mode rêve. Nous sommes sur... Comment dire? Nous sommes sur une archipel... Non. Nous sommes sur une mer où il y a plein d'îles. Voilà. Où il y a excessivement plein d'îles partout. Voilà. Chaque île représente une bataille qu'on doit faire. Voilà. Alors, tout ce qui est blanc sur la carte, je l'ai fait. Tout ce qui est violet, je l'ai pas encore fait. Et les points noirs, c'est les boss. Les boss, c'est des personnages qu'on va débloquer en les combattant. Vous voyez, d'ailleurs, un petit Shanks à droite, je crois qu'il y a Doflamingo, je crois. Non, ça c'est pas Doflamingo, ça derrière. Non. Doflamingo, je crois qu'il est là. C'est ça, il y a Doflamingo. À gauche, là-bas, il y a Kizaru. Voilà. Mais aujourd'hui, on va affronter Barbe Noire. Ah ouais, niveau 50, ah ça va pas aller en fait. Je voulais affronter Barbe Noire, mais en fait niveau 50 ça va pas aller. J'ai beau être moitié d'âge, ça va faire mal. Non, du coup on va peut-être affronter Doflamingo. Je veux dire, si on veut spoiler, autant spoiler à fond quoi. Et donc sur chaque île en fait il y a un thème. Et ici, c'est on aime les choses mignonnes. On dirait qu'il y a... qu'il n'y a pas une si lignonne. Je crois qu'il y a une tromperie sur la marchandise. Je crois pas que lignonne se dise. Voilà, je ne crois pas. Mais voilà. Donc en fait, c'est Perona qui est subjuguée par les choses mignonnes. Donc on va prendre l'auberge là-dessus. Et on peut choisir quel camp on va aider. Soit l'armée de Perona, soit l'armée des choses pas si mignonnes. Donc c'est soit les choses mignonnes contre les choses pas mignonnes. Ivankov, excusez-moi, mais il a l'air totalement mignon. Excusez-moi du peu. Donc on va faire l'armée de Perona. J'adore ce personnage, j'adore. Dieu, Ivankov. Alors Ivankov, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, qui savent pas l'anime, mais qui sont ici parce que les spoilers, ça les emmerde pas. Ivankov est le roi des Okama. Les Okama, c'est les travestis. Hein, c'est les gros travestis, sa race. Et ben, les travestis sont hilarants dans cet univers. Mister Two, c'est un plaisir. Ivankov, c'est n'importe quoi, Ivankov. Mais j'adore ce personnage. C'est... Mis à part l'équipe du chapeau de paille où il y a Franky, forcément, Ivankov et Mister Two font bien, enfin personnellement sont bien dans le top 5, dans même le top 3 on dirait des personnages que je préfère, je pense, voilà, je pense vraiment. Du coup, je choisis les petites techniques. Voilà, on fait full attaque,
Hein, on y attaque. Si on était un Pokémon, on serait merde. Oui, on serait une merde déjà. Oui. Sauf qu'il y a Sivenkov, donc non. On serait fort. Non, j'aurais dit Amphinobi, mais non. Ouais, on va être Amphinobi. Ouais, voilà. Donc voilà, donc on va sur le champ de bataille. Sur quelle arène on va se combattre? Ah, on combat à Water Seven! Non? On combat où? Oh putain, je sais pas comment s'appelle cette ville! Oh, vous faites chier les gens! En fait, on combat à... Putain, merde, je sais jamais comment s'appelle cette ville! Pour vous dire, en fait, j'ai déjà fait un enregistrement où j'ai foiré, parce que je savais pas quoi dire. Et on est tombé sur cette ville aussi, et je sais pas comment elle s'appelle. Là, c'est Green Beat, on est d'accord? Ouais, pour vous dire, c'est la dernière. C'est la dernière, comment dire? Oh, j'adore Yenkov, mon dieu, j'adore. Bonjour! J'expliquerai son pouvoir après, pas le style. Trop bien, ouais, merde, je sais pas comment ça s'appelle cette ville, enfin cette île, soit ça sera écrit, de toute façon je m'en fous, voilà, ça sera écrit quelque part, je m'en fous, je sais pas où, ça sera écrit, hein, mais c'est la dernière île que rencontre, enfin, où sont allés l'équipage chapeau de paille et tout, donc pour, niveau spoil, on est bien, on est très bien, on est très bien. Voilà. C'est la vie de Doflamingo pour vous dire. Voilà. Pour vous dire à peu près, voilà. Donc c'est pas très bien, mais voilà. Donc, sinon, niveau ce qu'on doit faire ici, en fait. Ce qu'on doit faire dans ce. Dans cette carte, comment dire, les missions sont affichées en bas à droite. Là, je dois battre Minotaur. Minotaur, c'est un. Minotaur, c'est comment dire. C'est un monstre mi quoi en fait, mi vache, mi minotaure. C'était drôle, lol, rigolé. Oh Bruno, bonjour Bruno. On va te baiser la gueule. Yay, yeah yay. Yeah voilà, donc sauf que c'est pas lui qu'on doit battre, mais on doit battre et compagnie. Donc ceux-là font partie de les et compagnie, effectivement. Par contre, t'arrêtes s'il te plaît. Monsieur, monsieur, tu fais partie du CP9, mais c'est pas une raison de... Hein, voilà. Merde, il est nul plus là. Ah, Bruno, il a mangé le fruit du porte-porte. Donc il peut faire des portes n'importe où il veut et du coup se barrer où il veut. Du coup là, on sait pas où il est. Voilà, là il est là, enfoiré. Voilà. Tu peux niquer ta mère, s'il te plaît? C'est bon, je t'aime pas trop. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc sinon, Ivankov, donc... il a mangé, je crois, le fruit des hormones, je crois. Merde, oh non, mais sérieusement, quoi? Pirona de merde. Oui, bah Pirona, bah j'arrive 2 minutes, s'il te plaît. Le temps que... Ah, nique ta mère! T'aimes pas Peruna. Il a mangé du fruit des hormones. En fait, il peut changer. Il peut influencer sur les hormones des gens. C'est classe. Mais sur n'importe quelle hormone. Hein. Voilà, merci. Donc, on va vous putrer la gueule. Hein, merci. C'est-à-dire qu'il peut transformer un homme en femme. Enfin, une femme en homme. Il peut faire n'importe quoi ce qu'il veut. Il peut donner la pêche à quelqu'un. Il peut faire ce qu'il veut, même sur son corps à lui. Ah, du coup, en fait, il peut aussi se transformer aussi lui-même en femme, pour être beaucoup plus agile. Ou se mettre une musculature de malade pour se défendre et tout. Ah, c'est classe, ça. Et ce personnage est complètement délire, et j'adore ce personnage, voilà. Et aussi, du coup, aussi, voilà, niveau hormones aussi, que vous avez vu tout à l'heure, il peut mettre en grosse tête les gens, et les pousser pour... Et les pousser pour faire des dégâts sur les autres personnages. Mission échouée?
Ah d'accord, mais d'accord, oui, non mais c'est une mission échouée, mais j'ai pas échoué le jeu. Oui, bah une mission, voilà, on s'en bat les couilles, une mission, voilà. T'es qui toi? Non, t'es personne, t'es un allié, lol. Niveau attaque, t'as quoi déjà? Yeah! Et niveau, c'est quoi? Galaxy Wink aussi, oui aussi. Son attaque spéciale, c'est faire des clins d'œil. Des clins d'œil, mais dévastateurs. Genre des clins d'œil que t'as pas envie de recevoir, quoi. Mais pas du tout. Voilà. Il est génial, ce personnage. Voilà, on va mettre des grosses têtes. Voilà, et ça fait des dégâts sur les autres. Ce personnage est génial. Ce personnage est complètement délire. C'est complètement cool. Et merci l'auteur d'avoir créé ce personnage. Voilà. C'est trop la dalle. J'adore. Bah, par contre, on va... Mais merde. Je voulais enlever un peu, mais bon, c'est pas grave. Sinon, pour avoir le rang S pour ces... à chaque fois dans la 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 dans ces dans le mode rêve, c'est ça, je sais plus, il faut avoir au moins 2000 KO, 1000 points d'exclamation et finir le chaque niveau en moins de 30 minutes. C'est pas complètement compliqué, hein, je vous avoue que voilà, largement de quoi faire. Regarde! Voilà! Allez, frappez vos autres! Voilà! J'adore ce... Bonjour! Voilà! Strike! Je fais des strikes, c'est beau! J'adore ce truc-là, c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi, Ivankov, je t'aime! Ah oui, aussi! Il n'y a pas. Il y a, en fait, il triche un peu, il n'y a pas que Ivankov en fait dans ce truc. Dans ses cheveux, en fait, il y a un personnage qui est caché. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est lui là, celui qui tranche là. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est son second en gros. En fait, lors d'une aventure, il est blessé assez gravement. Et du coup, pour se reposer, il le met dans ses cheveux. Voilà. Il fait ce qu'il veut, Ivankov, vos gueules. Aucun jugement. Ok. Et du coup, en fait, il aide quelquefois. Et là, en fait, ce mec il a le pouvoir du ciseau-ciseau. C'est-à-dire qu'il peut tout trancher. Il peut trancher un sol en pierre comme si c'était du... du papier et voilà, c'est cool, même si on voit pas assez souvent, d'accord, voilà. Et puis c'est pareil, on sait pas si c'est un homme ou une femme, parce qu'en fait Ivankov le transforme assez souvent, donc on sait pas si de base c'est une femme ou un homme. Et j'adore cette comment dire, le fait qu'on sache pas, je trouve ça cool. Voilà. Et donc voilà, il y a aussi des quêtes secondaires dans les modes rêves. Là, on doit poutrer Aokiji ou Akainu. Akainu qui est... Enfin, Aokiji et Akainu qui sont des amiraux de la marine. Donc des gars assez balèzes quand même, de base. Hein, voilà. Voilà. Et celui qu'on aide, en fait, parce que normalement, en fait, il y a une bataille entre les deux. Et celui qu'on aide, en fait, quand on bat l'autre, il rejoint notre équipage. Mais notre équipage. Enfin, il rejoint les personnages secondaires qui sont à droite, quoi. Enfin, à gauche. Je confonds ma droite et ma gauche, alors... Ok, j'ai le droit. Je suis Ivankov, j'ai le droit. Voilà. Et au pire, voilà ce que vous faites. J'ai pris la grosse tête, lol. Voilà. Oui, les hormones, ça permet de prendre la grosse tête. Voilà, c'est scientifique, maintenant, vos gueules. Ça marche sur vous? Ouais, ça marche sur vous, lol. J'adore. Ah, j'adore ce jeu. J'adore Ivankov. Bonjour. Allez. Allez. Mais il veut pas avoir la grosse tête. Méchant. Non, j'ai pas encore fini, moi. Je vous jure, j'ai pas encore fini. Il me reste encore quelques trucs à faire, moi. Je suis pas encore à 2000 et 1000. Voilà. Et aussi, niveau gameplay, aussi. Sauf que j'avais pas dit, parce que... Parce que j'avais pas dit.
Dans ce jeu, en fait, le mode Kizuna est différent par rapport au personnage qu'on a. Par rapport au... s'il a mangé un fruit ou pas. S'il a pas mangé de fruit, ça change pas grand-chose. Voilà. Il est juste plus fort, mais ça, on... pas vraiment, en fait. C'est pas vraiment plus fort. C'est pas grave. Mais par contre, s'il a mangé un fruit, le type du fruit est important. S'il a mangé un fruit du Paramassia, comme Luffy, ou comme Ivankov, ou comme Baggy, par exemple, ses attaques seront plus rapides. Voilà. S'il a mangé un fruit du Logia, comme Smoker, il aura plus de défense. Et s'il a mangé un fruit Zoan, il sera plus fort, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Normalement, c'est ça. Voilà. En fait, je sais pas si Logia est plus fort ou si ils sont plus défensifs. Je sais pas dans quel sens c'est. Mais dans tous les cas, il y en a qui. Voilà. Qui est plus, qui est plus défensif, donc plus attaque. Voilà. Voilà. Et ça, c'est cool. Mais je préfère les paramétriens parce que. Ils sont plus rapides. C'est plus cool. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai bientôt fini normalement la map. Voilà, je suis à 2000 et 1000 KO. Donc tout va bien. J'aurai mon grand S. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Oui. Donc, on va juste affronter le boss et puis on va terminer cette map aujourd'hui. Pas maintenant. Ça va être bien. Là, les trucs que vous avez vu, en fait, c'est la personnage que j'ai. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est un peu con. Oula, le bug. Non, ça doit pas sur cette noire. Ah. Est-ce que le jeu est en train de bugger? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, mon dieu, pas suffit ça. Non, pas suffit ça pour ce que ça passe. C'est un robot, en fait, qui est créé par la marine pour affronter les pirates. Eh ouais. C'est pas très bien. Merde. Il m'a aveuglé dans le connard. Ta merde, ils sont plus. Ils sont plusieurs. Non. Merde. J'ai vaincu. Je voulais faire mon attaque spéciale, mais j'ai pas pu. C'est nul. C'est très très nul. Ouais, très nul. Ce personnage est trop drôle, voilà. Même le truc en bas à gauche qui disait c'est drôle, voilà. Qu'est-ce que je vous dise? Voilà. Ivankov, je t'aime, voilà. Donc voilà, donc on va se terminer sur cet épisode là-dessus. On a gagné, on est rang S. On gagne du pognon, c'est magnifique. C'est toute beauté. Ouais, c'est toute beauté. Ça, on s'en fout de tout ça. On s'en bat les couilles. Oui, non, on s'en bat les couilles. Voilà, on s'en bat les couilles. Bonjour, au revoir, bonjour. Et du coup, demain, on refera un petit mode rêve. Et on fera soit Don Flamingo, soit Barbe Noire, je ne sais pas. Je ne sais pas, je responderai. Je vous dirai, voilà. Bonjour, monsieur, Mister Too. Je vous dirai bien que je vous mets un vote et que je ferai le vote. Sauf que non, parce que faut que j'enregistre avant, parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà. Donc du coup, on fera Barbe Noire, je pense. On fera Barbe Noire. Ivankov contre Barbe Noire, je pense que ça me paraît bien. Il est niveau 50, rien à foutre, moi je le bats. Je le bats niveau 39, rien à foutre. Bref, du coup, j'espère que ce court épisode vous aura plu. Demain, on se retrouve donc demain pour... Oh, putain, trop bien, ces mouvements de hanche. Oui. Ah oui, t'es bien. Ah oui, bref. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain donc pour Ivankov contre Barbe Noire, si la partie va bien. Et donc, à demain. Oui. C'est beau. Très, 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 très beau.